prenez Genèse au chapitre 1, nous lirons le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Prenez dans Jean. Était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Nous te remercions, Père Céleste, pour la lecture de ta parole. Nous pouvons la lire comme tout comme qui a été à l'école, on peut le faire, comme nos pères l'ont fait. Mais lorsqu'il s'agit que cette parole puisse transmettre la vie et être rendue manifeste, Seigneur, cela requiert la présence du Saint-Esprit, par l'interprétation des prophètes. Merci, Père. Alors que nous nous offrons à toi, parle à notre cœur et qu'on sortant d'ici, nous pouvons dire comme les disciples. Notre cœur ne brûlait-il pas de nous lorsqu'il nous parle. Brûle le désir du péché. Brûle tout ce que tu n'as pas créé qui se trouve en nous. Et arrange cette réponse pour faire que nous soyons et nous parlerons devant toi. Selon la stature de l'homme fait, il ne peut s'en tâcher. C'est ça notre désir. Le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire une citation de Frère Branham dans la prédication la puissance de transformation. Frère Branham dit ceci à la page 11 au paragraphe 55. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, Dieu a dit que la lumière soit. Et cela a pris 6000 ans. Cela a pris 6000 ans à cet Éden pour venir à l'existence. Et on nous enseigne dans les Écritures qu'à un jour sur la terre est ou comme 1000 ans pour Dieu. 1000 ans sur la terre sont un jour pour Dieu. Ainsi, cela a pris 6000 ans pour créer cette terre et pour en faire un Éden. Mais voyez-vous, c'était Dieu, le grand maître de toute intelligence. Et il avait dans sa pensée ce qu'il voulait faire. Tout comme cet homme qui a construit ce chariot, quand cet homme, quand vous, les frères ici qui avez dessiné ce pas, comment vous le faisiez, c'était dans votre esprit. Vous avez continué à réaliser cette vision. C'est la manière dont Dieu l'a fait avec le monde. Il a travaillé, c'était dans sa pensée. Et si vous le remarquez, c'était venu comme par évolution, comme s'il apprenait plus.
plus tout le temps. Faisons quelque chose de plus en plus grand. Mais voyez-vous, il était au-dessus de tout cela. Et il a simplement laissé évoluer jusqu'à cela. Vous voyez, tout ce qu'il a commencé à apporter sur la terre, depuis la vie botanique, les poissons ainsi de suite, s'en est arrivé aux poissons, aux animaux et ensuite à quelque chose à sa propre image, un homme. Il s'arrêta là, vous voyez, parce que c'était sa perfection et ce qu'il désirait. Amen. Amen. Il continue. Et c'est là, il dit, maintenant, nous voulons être transformés nous-mêmes par le renouvellement de notre entendement. Vous voyez, non pas ce que nous avons sur la terre, ce que nous allons chercher sur cette terre, mais de ce que nous allons devenir dans le monde à venir, transformés par le renouvellement de notre intelligence. Maintenant, Dieu a pris 6000 ans. Dieu a pris ce temps pour faire ceci, et nous le voyons dans Genèse 1. Nous voyons dans tout cela que Dieu avait un objectif qu'il désirait atteindre. Et tant de personnes enseignent sur la Genèse ici au premier chapitre et au deuxième chapitre, au troisième chapitre particulièrement, il semble que Dieu se répète disant, oh, il dit, il est allé de l'avant et il a dit toutes ces choses qu'il a faites, oh, comme s'il y avait de la lumière, il y avait ceci et qu'il se produisait cela. Et il n'y avait même pas une seule chose alors. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lumière. Et ce vieux monde était encore en train de flotter dans les ténèbres, couvert par les eaux. Mais vous voyez, il avait prononcé sa parole et c'était quand il parlait. Et maintenant, nous remarquons ici, dans Genèse 1, qu'il est dit, il forma l'homme de sa propre image et à sa propre ressemblance. À l'image de Dieu, il créa mâle et femelle. Vous voyez, il créa l'homme, il prononça seulement la parole. Alors nous trouvons qu'après plusieurs jours étaient passés, peut-être des centaines et des centaines d'années, il n'y avait encore personne pour cultiver la terre. Personne pour cultiver la terre. Ainsi Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez, il avait prononcé la parole, ensuite la parole devait s'accomplir. Maintenant, il dit que la lumière soit. Il y a peut-être eu des centaines d'années, peut-être 800 ans, avant qu'il y ait jamais eu une lumière. Mais cela arriva parce que Dieu l'avait dit. Amen. Amen. Dans cette longue lecture que je suis en train de faire, j'ai quelque chose dans lequel j'aimerais attirer votre attention. Amen. Amen. Nous allons essayer de parler d'un mystère. Le mystère de que la lumière soit. Où j'intitulerai que le mystère de qui ceci soit, que cela soit. Beaucoup de gens, dans le message que nombreux ici, qui ont cru, les gens s'attendent un jour à prononcer la parole, que ceci soit et cela soit. Parce que Frère Branham dit, dans la prédication, parle à cette montagne. Il crie là-dedans, il dit qu'un jour, je crois, que l'Église prononcera la parole. Et nous avons des quotations comme ce qu'il dit. Et tournez les regards. Il dit que ce que vous avez vu dans mon ministère, ce troisième pôle, qui a un potentiel, un jour, cela se manifestera en plénitude. Alors, ces concepts et ces choses amènent à chacun de nous, à chaque église, à chaque prédicateur, à chaque homme qui a confiance au prophète, de tirer au moins cette conclusion, donc de former l'image de ce que cela sera dans sa pensée. Amen. Amen. Alors,
Donc chacun a le droit de voir de qu'est-ce qui va arriver. Parce que l'homme, depuis la nuit des temps, vit toujours dans le désir de connaître le futur. L'homme, depuis la nuit des temps, il me semble que dans son esprit, il y a quelque chose qui lui dit qu'il y a un danger qui doit arriver. Il y a quelque chose qui le met en alerte comme s'il y a un malheur. Ou il y a des bonheurs qui peuvent arriver. Ce qui fait que l'homme est toujours tenté de connaître ou de faire des prédictions. Ou de connaître qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va prendre place demain. C'est la raison pour laquelle, au travers de la Bible, on lui dit, tu ne consulteras pas les gens de bonne aventure. Et tu ne consulteras pas les gens qui prédisent l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est une soif qui est dans le cœur de l'homme. Il demande toujours, il se demande toujours, quelle sera l'issue. C'est pour ça que Daniel dit, Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il demande le futur. L'homme vit à cause du futur. Seigneur, qu'est-ce qui arrivera? Il demande le futur. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a parlé plus de son futur que de son présent. Il dit, quand, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Donc il s'inquiétait pour le futur. Chacun de nous vit par rapport au futur. Frère Branham dit, dire que mes enfants vont grandir dans une génération maudite, qu'est-ce qu'ils deviendraient? Toujours le futur. On redoute toujours le futur. C'est comme si c'est le futur qui déterminait. C'est la chute qui fait que l'homme soit dans cette situation. C'est la raison pour laquelle le catholicisme a trouvé une bonne raison de nous dire que nous connaîtrons si nous sommes sauvés ou pas, ça sera dans le futur, lorsque nous mourrons. Ce n'est pas un problème réglé au passé ni au présent. Les problèmes du salut se régleraient là-bas à la fin, c'est Dieu qui jugera. Et ça, c'est une chose qui retient les gens, qui terrorise les gens, c'est une très grosse grimace que l'Église catholique a faite, dans laquelle les gens sont terrorisés. Parce qu'ils redoutent quel sera mon sort. Il dit, s'il savait quel était son sort, il devait déjà changer ici. Ici, Dieu, le Dieu que nous croyons, que nous adorons, que désormais lorsque vous priez, vous devez avoir un Dieu dans lequel vous croyez, que vous vous prosternez, chez qui vous adorez. Quel est le Dieu de ce groupe? Le Dieu de ce groupe, ce n'est pas simplement un nom appelé Jésus-Christ. Vous devez connaître vers qui vous faites vos prières. Parce que le Jésus qui est dans ma pensée, c'est celle dont ma pensée a formé. Paul dit, l'idole est dans le cœur. Nous le verrons ça plus tard. Mais vous devez connaître qui est notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Logos. C'est la colonne du feu. C'est ça, notre Dieu. Le vrai Dieu, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth n'était pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est la colonne de feu.
C'est la forme divine de l'esprit. Et la colonne de feu, c'est la lumière. C'est ce qu'en grec, on appelle le logos. C'est elle qui est l'attribut de la plénitude. Comment s'est passé? Suivez bien. Parce que Fabanam dit ici dans les choses qu'il écrit, qu'il pleure, il demande, il ne recevra pas. Parce qu'il ne connaît pas. Quel est son vrai nom? La plus grande révélation de toute la Bible, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Et la nouvelle naissance, la plus grande transformation dont nous parlons ici par notre intelligence, c'est Christ se révélant à l'individu. Amen. Le Dieu du ciel, avant le commencement, Dieu n'était pas Dieu. Il était ce qu'on appelle une pensée. Une pensée éternelle. Il était une intelligence. Frère Branham l'appelle la fontaine d'amour. Et cette grande fontaine d'amour insaisissable dans laquelle nous les humains, nous ne pouvons que s'approcher par révélation. Donc ça veut dire que c'est lui qui doit nous apprendre à ça. Par nous-mêmes, nous n'avons rien pour appréhender ça. Cet grand esprit qui vivait dans le vide, Frère Branham dit ici, dans question-réponse sur la Genèse, qu'il n'y avait pas de vide. Il n'y avait que le néant. Il dit qu'il n'y avait pas le néant. Mais dans ce grand néant, ce grand vide, ce grand rien, était Elohim. Amen. 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 Donc, l'éternité dont nous parlons, où la vie éternelle, il ne s'agit pas d'un endroit, mais d'une personne. Cette personne pensée, cette personne n'était pas encore le Logos. Cette personne, grande fontaine d'amour, cette fontaine lumière insaisissable, il était le tout suffisant. Le tout en tout. Et il était Dieu. Le plus souvent, lorsqu'on parle de l'origine de Dieu, la première question qui nous vient à l'esprit, d'où venait-il? Qui était sa mère? Son père, il venait de quel pays? Ou de quel endroit? Comment lui l'a commencé? Ça, c'est la pensée humaine. Comme nous sommes des humains, nous venons dans le temps, nous croyons que toute chose, pour exister, doit avoir une origine pour avoir sa finalité. Toute chose doit avoir un commencement et pour qu'il y ait la fin. C'est pour cela que nous cherchons le commencement de Dieu afin de déterminer certainement un jour qui finira. Ça, c'est le cerveau. Frère Branham compare ça au cerveau d'un oiseau ou d'un être, d'un fourmi par rapport à elle-même. Parce que nous ne pouvons pas juger ou saisir Dieu avec les matériaux avec lesquels nous avons ici dans la dimension temps. Je vais vous expliquer au terme clair. Vous me suivez? Amen. Remarquez cette salle ici, le mur ici,
ceci, d'autres sont obliques, d'autres sont horizontales, et ainsi de suite. Mais remarquez, pour une fourmi, si vous le déposez ici, il trouvera que il va marcher ici, il pourra faire peut-être 2 semaines ou 1 mois, il monte sur le mur, il monte ici, il passe au travers des contours ici, il passe et tout. Pour la fourmi, les études ont montré que toutes ces courbures-là n'existaient pas. Pour la fourmi, ils ont train de marcher plat. Donc, marcher ici et aller comme cela jusqu'à revenir ici, c'est lui, pour lui, c'est plat comme cela. Il ne sait même pas qu'il est maintenant tête, les pieds en haut, tête en bas. Non, 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 lui, pour lui, c'est simplement une ligne ici. Si vous pouvez lui expliquer que lorsque tu arrives là où tu vois blanc, la couleur blanche, c'est que tu as la tête en bas, il ne te croira pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que son petitesse et son esprit, et si on vous fait sortir de la fourmi, on vous met un humain, vous comprenez qu'en dehors de cette salle, il y a encore le firmament, il y a d'autres maisons, il y a d'autres mondes, il y a d'autres histoires et tout. Mais ça, vous ne pouvez pas expliquer à une fourmi que pendant une existence de vie, vous pouvez faire, vous pouvez aller ici, vous allez au Congo, vous allez au Togo, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez en Italie, vous allez en France, en Angleterre, aux États-Unis, des distances de milliers de kilomètres. Vous lui dites qu'on peut parcourir ça, et le monde est spacieux que là où tu es en train de circuler ici. Il ne comprendra pas ça. Donc vous pourrez bien le faire comprendre, lui ne comprendra pas ça. D'abord, son cycle de vie est court. Si vous lui dites que quelqu'un peut vivre pendant 100 ans, lui ne comprendra pas. Ou vous dites à une fourmi qu'on peut vivre pendant 100 ans, lui, vous verra que s'il est né, il fera au moins 4 jours, 5 jours, 7 jours, la fourmi, sa durée de vie est terminée. Et celui du moustique. Là, il a vieilli. Il dit non, ce que tu fais là, même un bébé qui naît, ça, ce n'est rien encore. Il ne va pas comprendre ça. Parce que c'est trop élevé pour lui. Parce que ses sens de perception ne lui permettent pas à percevoir ça aussi loin que ça. Dites amen. Amen. Je prends la terre. Si vous êtes sur orbite, vous trouverez que, ça c'est l'équateur, vous trouverez que la Terre est comme ceci. Ça c'est le pôle nord, ça c'est le pôle sud. Et que là où nous sommes ici en Afrique du Sud, nous sommes en bas ici. Tout juste en bas. L'Antarctique est presque en haut ici. L'Europe est presque ici. Ceux qui sont par exemple au Congo sont ici. Donc s'ils doivent être debout, ses pieds sont comme ceci, sa tête est comme cela. Donc lorsqu'il dit au-dessus de lui le ciel, c'est dans cette direction, ce qui n'a rien à voir avec ceux qui sont en Afrique du Sud. Ah, ça règle déjà les problèmes de la manière dont Jésus viendra. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, lorsque nous sommes sous la terre, lorsque nous sommes en Afrique du Sud ici, notre tête, nous sommes comme la fourmi comme ceci. La seule chose qui nous retient, c'est la présenter. Mais nous ne pouvons pas. Ce que j'ai dit ici, vous le comprenez par l'intelligible. Mais vous ne pourrez. Il n'y a rien en vous qui peut vous percevoir que lorsqu'on marche à Johannesburg avec les voitures là, on est plutôt tête en bas par rapport à ceux qui sont en Europe. Et que là où nous montrons notre ciel est là, c'est déjà opposé avec ceux qui sont de ce côté-ci. Et que ceux qui sont dans leur ciel n'est pas les mêmes que nous. Donc nous allons dans l'espace, dans les positions très élevées. Alors comme nous sommes si petits, nous ne pouvons pas comprendre cela. C'est maintenant, avec la science, avec les télescopes, avec des satellites, des histoires qu'on a mis, qu'on commence à comprendre ça parce que nous avons accepté une perception du cœur dans laquelle l'œil ne peut pas voir, l'oreille ne peut pas entendre, mais nous acceptons que c'est la vérité. Dites amen. Donc nous voyons que la terre est ronde par notre cœur.
Chacun de nous n'a pas de preuves. Même les photos qu'on prend là, toi tu ne peux pas prouver ça. Mais par la compréhension de notre cœur, aujourd'hui nous savons que le soleil, c'est un astre et qu'il y a ceci, il y a cela, il y a l'histoire et tout. Nous pouvons citer des planètes que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Et nous savons que ça existe. Ça, ce n'est pas l'intelligence. Mais s'il y avait un être plus supérieur dont la Terre n'était rien entre sa compréhension, il nous disait que lorsque vous marchez à Johannesburg, vous êtes dans la tête. Sinon, pour nous, nous savons que tout est plat. Je peux prendre une voiture ici jusqu'à arriver à Lubumbashi, jusqu'à au Caire, je peux prendre une voiture. Mais je ne verrai pas que la voiture est maintenant en bas où il y a des coups. Pour moi, c'est plat. C'est comme pour la fourmi. C'est une perception. Dites amen. Amen. Alors vous ne pouvez pas prendre votre manière de voir des choses. Frère Madame, approchez, ne vous appuyez pas. Donc l'homme est fait de façon qu'il est persuadé que sa perception est la meilleure. Ne cherchons pas que sa perception est humaine d'abord, est d'abord inférieure. Ne lui permet pas de détecter ou de voir des choses qui sont au-delà. C'est pour ça que c'est l'œil mécanique, les objets mécaniques qu'on envoyait dans l'air, qui ont pu nous aider là où nos yeux, nos sens naturels ne peuvent pas atteindre. Notre, et par le cœur, nous avons accepté que la Terre est dans cette forme-là. Le nord est ceci, le sud est en bas, et voilà ce que ça va se faire. Vous dites amen. Amen. Il fallait une recherche. Et c'est la même chose. Vous regardez les gens du temps d'Aristote. Ils avaient une autre compréhension du monde. Et ils avaient établi des calendriers qui sont fausses aujourd'hui. Dans lesquels, lorsque Galilée a fait sa lunette, et il avait maintenant un instrument, ses jumelles, qui lui permettait de percevoir. Là où l'œil naturel ne peut pas percevoir, et Galilée est venu, il a dit aux gens, non, on fait erreur. La Terre n'est pas au centre, c'est le soleil qui est le centre de tout. Son meilleur ami, le pape, ils ont fait l'école secondaire ensemble. Ils croyaient qu'il avait la responsabilité morale de les brûler au bûcher, parce qu'il a dit une idée qui contredit la perception. Ça a toujours été ainsi. Lorsque vous apportez quelque chose qui est au-delà de ce que les gens voient, ils ne chercheraient pas à considérer ou à vérifier ces théorèmes ou ces histoires. C'est la première chose qu'ils chercheraient à vous tuer. On a tué Jésus parce qu'il avait amené des idées qui sont contraires à la tendance égoïste existante. Lui, il dit, si on te tape ici, donne ici. Si on te ravit ceci, donne aussi ce qu'ils ont fait. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Alors que pour nous, il faut d'abord recevoir afin de donner. Donc, il a fait le contraire de tout ce qui était la manière de faire. Et l'humanité, la seule chose, c'était de le tuer. Mais en marchant, ils l'ont tué pour que ses idées ne marchent pas, pour qu'elles ne soient pas populaires. Même dès l'Antiquité, jusqu'au jour. Il est le seul nom qui est le plus populaire. Amen. Donc cela nous montre que si vous tenez quelque chose, même si les gens ne peuvent pas voir aujourd'hui, même si ça peut vous amener de l'opprobre aujourd'hui, Frère Bana, il parle de la renommée. Il dit, restez fidèle avec le message. Amen. Vous aurez une bonne renommée dans laquelle aucun humain ne peut le détruire. Amen. 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 Alors, je donne ces exemples pour vous montrer que nos pensées, Dieu a commencé quand? Il vient d'où? Et ainsi de suite, surtout pour vous qu'il venait de quoi? Non, la conception d'éternel n'a rien à voir avec nous. C'est plus que ce que nous pensons. Dieu n'a pas de commencement et fin. Donc, dans le concept éternel, il n'y a pas de mère ni de père. Il n'y a pas d'engendré. Il n'y a pas d'origine. On y demeure. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, ne cherchez pas où il était, comment et tout. Non, il était cela.
Ce qui fait que notre cervelet ne peut pas comprendre ça pour le plein sur raison que même ici, on prend un fourmi, tu l'amènes en l'air, ses yeux ne peuvent même pas voir le mur qui est là-bas. C'est trop loin pour lui. Donc il n'y a aucun moyen pour moi, mes bien-aimés, de vous prouver que Dieu est éternel, il n'a pas d'origine. C'est pour ça la seule manière d'accepter, c'est comme lorsque nous acceptons que la terre est ronde et que nous marchons comme ceci et tout. C'est de l'accepter avec le cœur. C'est ce qu'on appelle la foi. Dites amen. Amen. Et n'essayez pas de raisonner sur son existence, parce qu'il est l'essence même de l'existence. C'est simplement d'accepter qu'il y a une certaine super vie qu'on appelle éternelle, dans laquelle ce que nous avons sur la terre dans le temps n'est qu'une dérivée. Amen. Ce n'est qu'une sous-produit. Ce que nous appelons amour n'est qu'une perversion. Ou un sous-produit avant d'arracher tout. Le plus souvent, lorsqu'on parle que la femme est sous-produit de l'homme, les gens croient que sous-produit signifie une partie. Une partie dans le sens que la femme est le bras, l'homme est le reste. Non, le mot byproduct est défini comme une extraction. D'une chose entière, on extrait. C'est comme on peut prendre le lait entier, mais du lait, on tire de la crème ou du fromage. Le fromage est un sous-produit du lait. Le fromage n'est pas le lait, mais c'est un produit laitier. Mais c'est un sous-produit. Le yaourt n'est pas le lait. Le yaourt est un sous-produit. C'est extrait ou perverti, ou on a extrait de quelque chose. C'est comme pour avoir le coca, il faut de l'eau. Donc, il y a la chose, ça c'est un sous-produit. La chose originale, on appelle, on dit lait écrémé, et lait entier. L'autre est un sous-produit, donc l'autre ne peut pas tenir sans être rentré dans sa position dans laquelle il est entier. Vous êtes avec moi. Et donc le temps, ce n'est qu'un sous-produit. C'est pour cela que l'éternité peut engloutir le temps. C'est pour cela qu'il n'y a pas de femme sans un homme. Mais il peut y avoir un homme sans femme. Parce que nous avons vu, il y avait Ève et il y avait Adam. Mais il y avait Adam sans Ève. Je ne sais pas si vous comprenez. L'un a été créé pour l'autre, mais l'autre non. Donc le Dieu éternel, il avait en lui un dessein. Et pour faire son dessein, il fallait rentrer dans le processus de transformation. Alors, Frère Branham dit, il est devenu cet esprit. Et ces sept esprits sont devenus des sept couleurs de la conscience tout autour. D'une conscience entière. Parce que l'éternité n'est qu'un rond. Frère Branham dit que c'est un ring, donc comme une bague. Et ces sept esprits n'étaient que des formations architectes du projet de ce qu'il devait être une manifestation ou une vibration de sept choses en un. Amen. Alors, il avait en lui des attributs. Maintenant, nous le connaissons étant que père. Nous connaissons tout ça. Mais dans l'éternité, il n'était pas père. Il n'était pas fils, il n'était pas ceci, il n'était pas cela. Il n'était même pas cet esprit. Alors, la seule manière pour lui, c'est que toutes ses fonctions, comme Frère Branham a dit, comme vous prenez le temps pour dessiner quelque chose, devait se manifester. Et pour que cela puisse se manifester, il fallait qu'il prenne une forme du temps.
Lorsque je parle ici, il y a deux sortes de temps dont moi je crois. Le temps n'est pas simplement le visible. Le temps a commencé dans l'invisible. Alors, et la seule manière pour que le visible apparaisse, Dieu savait que la matière dans laquelle il devait commencer, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est esprit. L'esprit, c'est la plus grande grandeur. C'est pour cela que cette pensée éternelle, cet être-là fut appelé esprit. Amen. Alors, même là, nous devons définir, parce que la religion nous a donné des mots. Tantôt qui nous aveugle. Ce que moi j'appelle l'esprit, c'est peut-être pas ce que notre messager appelle l'esprit. C'est pas ce que au village on appelle l'esprit. C'est pas ce que les philosophes eux, appellent l'esprit. C'est pas ce que des religieux appellent l'esprit. Amen. Amen. Parce que nous sommes physiques. Et nous habitons dans un monde physique. Donc, il existe le physique qui est cette maison et ce monde ici qui est matériel. Et il existe le physique qui est mon corps. Donc, je suis un être physique qui navigue dans un environnement physique. Et Dieu est un être esprit qui navigue dans un environnement spirituel. Mais qu'est-ce que l'esprit? La matière, nous savons en quoi elle est composée. Nous savons que la matière est composée de quoi? Et cela a donné naissance à ce qu'on appelle des neutrinos. Et ces neutrinos ont donné naissance à des atomes ou des électrons. Et ces électrons se sont rassemblés. Et dans leur rotation, lorsqu'ils y sont éparpillés, ils ne prennent pas de forme rigide. Ils prennent des formes plus légères, dans lesquelles nous appelons gaz. Lorsqu'ils agissent encore, ils prennent des formes tangibles, dans lesquelles nous appelons liquide. Lorsqu'ils s'approchent encore, ils prennent des formes dans lesquelles nous appelons solide. Et s'ils agissent encore dans leur vibration, ils prennent des formes dans lesquelles nous appelons peut-être plasma ou plus petit ou quoi que ce soit. Et ça, c'est la matière. Et tout ce que nous avons n'est qu'une vibration de ces atomes. Mais l'esprit, lui, il est composé de quoi? La matière est esprit. Parce que c'est elle qui a donné naissance à l'autre. Nous croyons que l'esprit est mère. C'est elle qui a engendré la matière. Vous dites amen. Amen. C'est pas que la matière a engendré l'esprit. Non, c'est l'esprit qui a engendré la matière. Donc ces notions-là doivent être plus claires dans vos esprits lorsque vous embrassez la chrétienté. Parce que maintenant sur la terre, il y a beaucoup de spéculations. Frère Branham parle de plusieurs fois. Et on risquerait d'embrasser quelque chose en croyant que c'est cela. C'est pour ça que nous avons le privilège de recommencer. Nous voulons revenir à ces notions dont tantôt on appelle élémentaires, mais tantôt c'est la pierre qui permettra à quelqu'un d'être une fois solide. L'esprit, lui, il est composé de l'antimatière, c'est-à-dire l'énergie. Au niveau des plus petits éléments. Au-delà de l'énergie pure. Ça, c'est le monde des esprits. Et l'énergie est physique, donc l'esprit. Ce que je peux vous dire ici, c'est que l'esprit est physique. Amen. Mais c'est que comme il navigue dans le plus grand,
travers de nos perceptions. Parce que j'étais ici. Ceci est solide simplement par une illusion des lois de ceci. C'est une illusion. Ceci est solide. En réalité, il n'est pas solide. Un solide n'existe pas. Un liquide n'existe pas. Un gaz n'existe pas. Tout est énergie. Dites-moi. Amen. Je pourrais vous lire ça après. Mais je vais vous l'expliquer. Parce que nous n'avons pas d'autre source d'information sinon le messager. Amen. Amen. Alors, remarquez, tout l'esprit est énergie. Avec l'énergie, c'est-à-dire la lumière, vous pouvez synthétiser et créer d'autres mondes. Tout ce qui existe peut se faire. C'est ça la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Frère Madame dit, il a vu cela. Amen. Alors, remarquez maintenant, cet être esprit est énergie. Qu'est-ce que l'énergie? C'est un mouvement d'une suite logique. Donc cela veut dire une suite qui est contrôlée par des lois. L'énergie n'est pas comme cela. C'est pour cela que Frère Branham dit dans un paradoxe, il dit l'électricité est invisible parce que l'électricité est esprit. L'électricité est Dieu. Ah. On revient maintenant à là. En quoi l'électricité que nous avons ici est du domaine de Dieu, est esprit. L'électricité, c'est l'esprit, parce que c'est une suite naturelle d'une loi qui est imposée à la vie ou à la nature de naviguer ici. On nous a appris à l'école qu'est-ce que l'électricité. On nous dit que l'électricité, vous êtes avec moi. Amen. Parce que Frère Branham a cité ça. Il dit elle est invisible, vous ne voyez pas, mais elle se manifeste. Il dit c'est comme Dieu parce que l'électricité est esprit. Mais qu'est-ce qui fait l'esprit dans l'électricité? C'est ça des choses que Frère Branham nous a donné. Parce que l'électricité est une suite logique. Donc cela veut dire que c'est une programmation, une loi qui donne la lumière. Remarquez, ici c'est l'ampoule. On va terminer. Dans l'ampoule ici, il y a ce qu'on appelle un filament. Cet filament-là, lorsqu'il chauffe, il se dilate, il vibre en changeant de couleur, en trouvant peut-être les néons dedans ou de l'oxygène ou quoi que ce soit. Alors ça donne une effervescence. Donc ça fait, ça voyage encore plus vite pour s'échapper, les électrons s'échappent plus vite. C'est ce que nous appelons lumière. Et pour que ça puisse agir, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a découvert la pile, ou la batterie, ou le dynamo, ou le générateur, ce qu'on appelle la mécanique produisant la dynamique, on utilise ces mots-là dans le message, c'est la dynamique, le mécanique. Mais à un certain moment, on ne comprend même pas, on utilise plutôt des mots comme une philosophie, au lieu de comprendre la pensée de Dieu, au-dessus. Dites Amen. Amen. Alors, nous revenons là, parce que vous êtes des débutants. Alors, remarquez, ici, lorsqu'on a découvert la pile, ou la batterie, ou quoi que ce soit, on a mis les pôles. Ici, c'est le côté positif. Ici, c'est le côté négatif. Ici, c'est séparé. Qu'est-ce qu'on fait? La pile, en réalité, ne se charge pas. La pile ne se décharge pas. La batterie que vous avez ne se détache, ne se décharge jamais. Et ne se charge jamais. Parce que c'est les éléments de la nature. Alors, je vais vous expliquer. Lorsque l'autre a trouvé dans la biochimie, pour essayer de retrouver le problème de la pile,
Et lorsque Franklin a découvert l'électricité, remarquez qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on isole simplement les ions positifs. Ces ions-là, ces électrons. Et ici, on laisse un vide. Or, il y a une loi dans l'univers, c'est que l'univers a horreur du vide. C'est la loi de Dieu dont Frère Branham nous a défini et il a prêché ça, il a appelé ça profondeur appelle une autre profondeur. C'est pour cela que Frère Branham nous dit, selon les lois de l'électricité, la seule manière pour vous, lorsqu'il a parlé de comment recevoir le Saint-Esprit au Branham Tabernacle, il leur a prêché seulement quelques minutes. Et il leur a prêché quelle prédication? La soif. On a disons que Dieu a dit que heureux ceux qui ont fait soif, parce qu'ils seront rassasiés. Et il a expliqué à son église, la seule manière, c'est d'exposer ton vide, ton besoin et de rester là. Les lois de Dieu fera que Dieu te comble. Pas que tu es comblé, mais de ne pas bouger de là. C'est pour ça que quelqu'un là, oh non, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, peut-être qu'il a reçu simplement l'Esprit nouveau. Il va partir de cela bas. C'est pour ça que nous gardons l'Église dans la soif. Même ici, là, le Saint-Esprit, on te dit, il y a plusieurs heures remplis, sages. Amen. Qui peut dire amen? Amen. C'est le seul secret. Pourquoi? Parce que dans l'univers, l'univers ne veut pas un vide. Parce que la loi de Dieu, c'est d'abondance et de combler tout. Lorsqu'il y a un vide, quelque chose doit venir. C'est pour ça que Branham dit, nous ne pouvons pas être neutres. Nous devons être remplis de quelque chose. Si on n'est pas rempli de Dieu, on est rempli de méfiance, on est rempli du péché, on est rempli de quoi que ce soit. Ton cœur va être rempli de quelque chose. C'est ce qu'il dit dans la prédication, unis sur une seule tête. Il dit, il n'y a pas moyen. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a le vide, ce qui va combler le vide va venir en vitesse. C'est comme ici, ça va de sa survie. S'il ne comble pas le vide, lui sera détruit. C'est ce que Frère Branham appelait la profondeur, appelle la profondeur. La loi de l'électricité, c'est quoi? Lorsqu'on isole les ions positifs de ce côté-ci, s'il y a du vide, donc les ions négatifs, automatiquement, eux, ils se bousculent là-bas pour aller. C'est pour ça que si vous prenez le couteau, comme il y a le négatif, le autre, vous grattez là, vous voyez les intercepts, paf! C'est des électrons là, qui s'échappent comme une explosion. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Lorsque vous mettez ici et le positif de ce côté-ci, alors les ions ici comprennent qu'ils peuvent déplacer. On filtre, ils commencent à se déplacer. En se déplaçant sur la surface des couches de ce conduit, ils chauffent. C'est ce que nous voyons lumière ici, parce qu'ils veulent remplir ici. Et jusqu'à ce que lorsqu'ils rempliront ici et ici, ça sera le vide. En ce moment-là, on dit la batterie est finie parce que le voyage, ils ont comblé. Comme ici est le vide, lorsqu'on dit la charge de batterie, ne fait que faire le retour de ça. Et il part aussi en vitesse et il remplit de ce côté-ci. L'eau bat, on doit charger. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Donc même la bobine ne prend pas la batterie, même votre ventilo là ne consomme pas l'électricité. Plutôt, il produit l'électricité à la régie de l'électricité. Ne consomme rien. Ne fait plutôt il transforme. S'il n'y en avait pas, il y aurait baisse d'électricité et de tension au même moment. Donc, pourquoi? Parce qu'on appelle électricité, c'est un déplacement des électrons sur des couches, là où il y a des trous, des vides. Comme il y a des vides, ça lui attire. Le vide lui attire. Le vide est comme un aimant qui attire des éléments positifs pour combler. Et Frère Branham dit, c'est l'esprit. C'est la raison pour laquelle si vous vous êtes vidé du monde et vous restez devant Dieu, automatiquement, la loi de l'électricité fera que Dieu vienne en vous. Vous dites amen? Amen.
Dieu viendra en vous. Nous parlons de la lumière soi. C'est cela, et frère Manem dit, c'est l'esprit. Pourquoi il est esprit là? Il est esprit par suite logique des lois. Qui sont des lois physiques, des contraintes, qui contraint des éléments d'aller, et puis c'est intelligemment. Ils ne vont pas en désordre. C'est comme une programmation. C'est comme une codification. Celui qui est comme ceci, on est là aussi dans un trou qui est comme cela. C'est comme si ce trou-là était fait pour nous. Celui qui est comme ceci aura un trou qui était comme cela, qui va l'attirer pour aller là. C'est pas comme, parce qu'il y a eu une intelligence qui a visité l'infiniment petit. Et la Bible dit, Dieu, si vous considérez la création, Dieu se voit comme à l'œil. Lorsqu'on le considère dans son ouvrage. Parce que dans son ouvrage, il laisse l'empreinte. Ou il laisse cela comme ombre, comme type, ou comme un poteau indicateur pour essayer d'aider notre pensée humaine à saisir. C'est ce qu'il appelle se révéler à nous. C'est pour cela que Jésus reprochait les gens de son époque. Il dit, vous lisez la parole, vous croyez avoir la vie en elle. Alors que c'est elle qui offre témoignage. Donc l'être esprit qui était Dieu n'était d'autre que l'intelligence. Cet être-là, lui, il était l'intelligence. Et cette intelligence est définie par une suite de programmations, des lois, qui sont au-delà de toutes les lois. Et la loi qui est au-delà de toutes les lois, c'est la loi qui contrôle la nature physique et l'invisible. Selon Frère Branham, il dit les coordonnes du tout comme une force. Ça s'appelle l'amour. Dites amen. Amen. C'est pour cela que Dieu porte. Il dit, petit enfant, Dieu est amour. Et l'amour n'est rien d'autre que les lois. L'amour n'est que la loi mère. Le magnétisme qui attire un électron pour qu'il se cache, pour qu'il ne peut pas faire, cette attirance-là qui les tient ensemble est l'amour. Frère Madame dit, l'amour tient tout coordonné. Pour que notre corps ici, nous sommes des électrons, qui peuvent être même des gaz sur le champ. Mais pour que ce soit rassemblé, que les électrons qui sont ici ne viennent pas chez toi, ou les atomes-là ne quittent pas pour moi pour aller chez vous. C'est parce qu'il y a une loi qui les coordonne et qui les donne la forme physique que nous avons. Et il n'y a rien d'autre que l'amour. Et cet amour dont je parle est différent de l'émotion qui est un amour bas, l'émotion qui est le feeling, donc qui est un désir ou une soif. Qui n'est que l'ombre de cela. Parce que l'émotion signifie énergie au mouvement. Par exemple, lorsque tu te fâches là, c'est une énergie au mouvement. Lorsque tu es triste, c'est une énergie, la même énergie qui est maintenant dans, qui vibre différemment. Lorsque tu es dans la joie, c'est toujours, parce que tout cela est coordonné et contrôlé par la chose appelée émotion. Et le sens qui est chargé de contrôler l'émotion s'appelle les sentiments. C'est l'un des sens de notre esprit. C'est lui qui contrôle la puissance appelée énergie. Donc tel que vous êtes là, vous êtes électrique. Vous êtes énergie. Mais cela est contrôlé à partir de vos sentiments. Parce que ce que vous êtes, c'est ce qui est votre tempérament. Par exemple, quelqu'un peut dire, non, pasteur, dans cette affaire, c'est lui qui m'a énervé. Il t'a énervé ou quoi? En me disant tel mot, tel mot, tel mot. Tel mot qui m'a été dit ou lancé, c'était pour avoir, c'était dans le but que cette énergie-là tourne en colère. Mais, il n'y a personne qui contrôle le libre arbitre.
Dites Amen. Amen. Tu avais un... Dieu t'a donné le choix devant les injures des rires. C'est aussi un choix. Pourquoi tu n'as pas souri, mais tu t'es fâché? Voilà. Donc là où on t'a insulté, on t'a fait du mal, tu peux sourire. Il y a des gens, j'ai vu, on les insulte, ils regardent comme cela. Ils rient. Ils disent, parce que c'est que dans sa pensée, il est allé, bon, ce type ici, si je l'attrape ici, je le tue. Il voit déjà la prison, bon, il a déjà regretté ça, il dit, non, je ne le ferai pas, il rit pour lui. Donc il a jugé, au travers de son raisonnement, il a trouvé déjà qu'est-ce qui va arriver, et d'office, ça contrôle, il a contrôlé maintenant le mouvement de ses émotions. Et il exprime plutôt par une autre porte appelée le sourire. On dit, tu t'es fâché, il dit non, tu peux se faire sourire. Tonton, il y a d'autres, on lui tape, hey, pas, et je lui dis merci, mon frère, ça va. Il fuit pour le oh là, tu es lâché. Non, il connaît ce qu'il est. Que s'il prend la même énergie qu'il est en train de courir et sourire là, il les met de l'autre côté, vous serez totalement affaire à un démon. Amen. Dites Amen. Amen. Donc ce n'est pas parce que vous faites quelque chose à quelqu'un, il sourit que vous croyez que c'est ce qu'il est. Non, il a orienté ou il a pris le contrôle de ses sentiments. Peut-être parce qu'il y a la parole qui est dans sa conscience. C'est pour cela qu'il agit ainsi. Alors, le Dieu qui est esprit, qui est énergie, énergie, c'est une suite de lois de l'esprit qui contraint les lois physiques. Et Dieu, ça là, ce que j'ai dit ici, de l'esprit ou de l'énergie, de l'électricité que nous avons là, n'est que l'ombre de la vraie énergie qui est que l'amour. L'amour dont on parle est au-delà de ce qu'un humain peut penser. Par exemple, nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas esprit. Nous ne pouvons pas justifier. Parce que notre mémoire ne peut pas gommer cette chose et reprendre ça dans une autre façon. Il n'y a pas moyen. Parce que c'est trop saturé. Frère Adam dit, c'est trop saturé. Alors, le Dieu infini qui est esprit, la seule manière de venir chez nous, il devait être l'homme. Alors, avec ses attributs, on appelle attributs forme ou fonction. Fonction, par exemple, lorsque je suis ici, je prêche, je suis prédicateur. À la maison, je suis papa. Ce sont des fonctions. C'est pour cela, lorsque on parle du père et du fils, on parle ici de deux fonctions. La fonction du prédicateur, c'est prêcher. La fonction du père, c'est prendre soin. Et je suis aussi boss. Et la fonction du boss, c'est décider de la conduite de soi, qui sont des fonctions qui sont bien différentes. Et je peux être un pinassier. Donc si vous me donnez les punances, vous me verrez comment je peux faire. Dans la fonction des punaciers, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des canons, il faut qu'il y ait des bateaux, il faut qu'il y ait des moteurs, il faut qu'il y ait des hors-bord pour que j'exerce ça. Il y a des éléments qui font ainsi. Mais en exerçant ça, qui a acheté, c'est le boss. Il faut que je sois dans la fonction du boss pour signer le chèque. Si je signe tant que punacier, on ne va pas donner. Vous êtes avec moi. Amen. Mais c'est la même personne. Donc Dieu avait plusieurs fonctions. Et dans ces fonctions-là, il devait prendre des formes. Lorsque je vais aller à la pêche aux finances avec des frères, même vous n'allez pas me reconnaître. Je vais mettre peut-être les gilets ici, les gilets de sauvetage. Je dis, bon, je vais mettre un autre ici, je serai là, et devant le moteur, et tout, je vais amener les jerrycans, je vais mettre le hors-bord. Tel que je suis ici, frère, il fait ça. Lorsque j'avais attrapé les canons, et puis les hors-bord, je les ai mis dedans. Mais ils n'ont pas reconnu que c'est le pasteur qui était en train de planer sur l'eau. Donc, ce qui vient à dire que
Là, j'étais dans une autre fonction. Dites amen. Mais je peux être le chauffeur de ma famille. En venant ici, c'est moi qui ai conduit. Mais ici, je prêche. Donc chaque fonction a un élément. Être chauffé, il faut qu'il y ait des voitures, il faut qu'il y ait ceci. Qui sont, il faut que tantôt il y a d'autres. Pour être pilote, il faut avoir un habillement. Et donc je prends, si je suis cosmonaute, je prenais une forme comme un robot, je ne pourrais pas marcher. Mais c'est toujours moi. Mais là-bas, je ne peux pas rentrer sans ces scaphandres. Il faut toujours porter cela pour faire le pilotage des fusées. Donc je prends cette forme-là, être appropriée pour tel job. Et là-bas, il y a tel outil. Mais si je suis dans les pinasses, j'allume vroom, je prends maintenant la Bible. Bon, vous savez, mes frères, mais je vais tomber avec ma Bible de l'eau. Amen. Je suis dans la voiture, je commence à dire, frère, vous saviez que nous allons aller faire l'accident là-dessus. Parce que ça demande d'autres attentions, d'autres histoires. Je dois quitter la position du pasteur qui est toujours moi pour devenir chauffeur et se concentrer maintenant, mettre tout ce qui est connaissance de chauffeur en priorité pour qu'on arrive à la maison. Dites amen. Amen. Et j'ai désactivé tout ce qui est prêché et tout. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on dit que j'ai quitté, lorsque vous entendez, il a quitté le Père pour devenir le Fils. Cela ne veut pas dire que la fonction du Père ou le Père est de ses vides. Non, c'est le même Père qui ne s'exerce plus parce qu'il s'est transformé en faire le même, le autre chose. Amen. Le Fils, c'est le Père. Amen. Dites amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit celui qui a le Fils, il a aussi le Père. Et voilà les fonctions. Mais les catholiques ont trouvé ça des personnes. Parce que le Père parle au Fils. Je peux signer, dis quoi que ce soit. Bon, ça là. Je signe pour. Je peux signer à la banque. Ça, c'est pour qui? Oh non, les chèques là, je signe ici. Non, ça là, cette chose là, ça là, j'achète pour telle entreprise. Mais ça là, j'achète pour la famille Galibali. Qui? Bêtez le nom. Je mets là mon nom. Mais ici aussi, c'est toujours moi. Mais ici, je suis représenté une personne morale. Et tant que papier entreprise. Mais ici, c'est toujours moi. Mais vous direz, non, il y a des personnes, parce que celui-là donne les ordres à celui-ci. Il dit, non, bon, lorsque je demande le crédit. Je dis, donc, donnez le crédit pour planète. Il dit, non, il faut qu'il y ait les cautions. J'ai dit non, monsieur Garibaldi va le cautionner. J'ai des histoires qui peuvent servir de garantie. Mais les deux personnes là, c'est toujours moi. Dites amen. Amen. Mais les choses ont fait qu'on traitera avec des attributs bien différents. Alléluia. Le même niveau, vous pouvez aller à l'immigration, dire non, je vais avoir des papiers de résidence ici. On va te refuser. Mais le même vous, lorsque vous allez là-bas avec les papiers et tant qu'un employé, on vous accepte. Mais c'est la même que c'est toujours moi. Mais lorsque vous êtes venu dans la tribu et tant que vous-même, personne physique, on a refusé. Mais lorsque vous êtes venu dans cette tribu et tant que personne morale, un travailleur, on vous accepte. Dites amen. Amen. Mais ce n'est pas des personnes. Celui-là, on l'a rejeté, celui-là, on a accepté des personnes par rapport à leur fonction. C'est cela qu'on appelle attribut, que vous entendrez. Il est sauveur, il est seigneur, il est ceci. Cet attribut va avec une suite logique de beaucoup de commandes qui va s'exécuter. Et qui sont différents de ceci. Alors Dieu avait plusieurs attributs. Et la seule manière pour lui d'entrer dans le temps, c'est de devenir la loi. Et la forme de la loi, c'est la lumière. C'est la forme du temps. C'est la lumière. Et lorsqu'il a pris la forme de la lumière, alors c'est à ce moment-là qu'il est devenu le Logos. Cette lumière spirituelle, c'est ce que la Bible appelle le Fils. Le Fils n'est pas éternel, cette fonction n'est pas éternelle. Mais comme c'est Dieu qui devait s'exprimer dans le temps, la seule manière
pour lui, c'est que toute cette forme lumière ou énergie, la lumière était le corps de l'énergie. Et la, parce que toute énergie voyage en propagation par la forme un photon qui est lumière. Alors, lorsqu'il a pris cette forme logos, la lumière, alors les fonctions qu'il avait ne sont pas les fonctions de l'éternité. C'est les fonctions du temps. C'est pour cela qu'on dit tout ce qui était en Elohim s'est déversé dans le logos. Donc le logos est l'attribut, est un attribut comme sauveur, comme guérisseur et tout, mais c'est l'attribut qui est l'attribut qui porte, c'est l'attribut qui porte tout en son sein. Et à partir de lui, tout commence à s'engendrer. C'est pour cela que le logos, qui était le fils de l'éternité, est devenu le père. Parce que c'est lui qui devait engendrer les autres attributs. Donc, selon frère Branham, vous aussi là, vous n'êtes que des attributs. Dites amen. 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 Donc, vous êtes Dieu. On en fait dans une fonction qui est différente. Dieu, Dimi, Dieu, frère Jos, Dieu, pasteur Zabola, Dieu, pasteur Eter, Dieu, ceci. Voyez-vous, vous êtes le même Dieu. Ce n'est pas plusieurs Dieux, mais dans des fonctions différentes. Mais si moi je veux prendre la place de frère Jos, ou je veux prendre la place de Kéji, je fais erreur. Parce que même dans la forme, même dans les empreintes digitales, nous avons des fonctions bien faites. C'est pour ça que frère Branham dit, personne ne peut prendre votre place. Amen. Ce qui est à vous, dites amen. Amen. C'est les lois du logos. Parce que ça sera idiot pour nous, parce que nous sommes si petits, nous ne pouvons pas comprendre ça. C'est pour cela qu'il nous arrive à croire, même à l'oiseau. Mais ça n'existe pas. Même le chaos suit une certaine logique. Tout est logique. Tout suit un certain principe. Tout est contrôlé. Frère Madame dit, tout le système de Dieu est contrôlé par les lois. Tout. Même la maladie est une interruption d'une loi. Et vous devez le reconnaître pour que vous soyez malade. Donc la maladie doit se révéler à vous. Et c'est le diable qui donne cette révélation. Et Dieu vient maintenant réparer cette loi qui a été interrompue. C'est ce que nous appelons guérison. Lorsqu'on dit pécheur, c'est une qui vit une perversion d'une soif qui est en nous. Et Dieu vient, on interrompt la soif de Dieu et on est interrompu. Et Dieu vient, on lève l'isolant et on dit il est racheté. Tout est fait par les lois, dit amen. Donc le logos, qui est la tribu plénitude de Dieu, n'a rien à voir avec un bidon dans lequel on a mis les liquides dedans. Dites amen. Amen. C'est comme lorsqu'on dit, le Saint-Esprit est en moi. Ça n'a rien à voir avec le liquide qui est le type, ou l'huile qui est le type dans lequel il y a une contenance dans mon cœur, dans lequel le but du Saint-Esprit est là. Non, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Amen. Mais lorsqu'on dit que Dieu est en nous en partie, vous devez comprendre ça, donc cela veut dire que je suis le bon. Voyez-vous, dans la fonction, oui, mais en réalité, le frère Manam dit qu'une partie de Dieu, c'est Dieu dans la plénitude. Parce que ce n'est qu'une fonction, vous êtes une fonction qui s'ajoute à d'autres fonctions pour faire toute la plénitude des fonctions de Dieu qui est Dieu. Or, lorsque vous avez l'esprit en partie, donc ça veut dire que vous manifestez Dieu dans cette partie-là. Mais cette manifestation, il faut la plénitude. C'est comme Israël avait plusieurs tribus. Lorsque Jésus est allé à Nazareth, il a fait moins de miracles. Mais lorsqu'il est allé à Césarée, il a fait plus de miracles. C'était la même plénitude. Ici, il a fait moins parce que la terre là n'était pas favorable pour faire plus. Ici, il a fait, c'est toujours Jésus, c'est déplaçant dans les parcelles du pays. Mais Israël, c'est tous les pays. Donc chez moi, il peut faire un grand travail, c'est lui de prêcher. Parce que l'Esprit du Seigneur était là pour prêcher. Chez les frères là-bas, il peut faire beaucoup de travail, celui de guérir. Parce que l'Esprit du Seigneur était là pour guérir.
Là-bas, il peut faire un travail de limon. L'Esprit du Seigneur était là pour limon. Ici, il peut faire pour chanter. L'Esprit du Seigneur était là pour chanter. Mais c'est le même esprit qui ajoute beaucoup de rôles. C'est le même énergie qui se manifeste sous forme de lune, des papiers, de ceci, des arbres, des humains, des animaux. Et donne la forme de l'intelligence qu'on lui a donnée. Et c'est cela qui s'exécute. Donc le Dieu infini, lorsqu'il est devenu logos, c'est ce que nous appelons colonne de feu. La forme physique du Saint-Esprit. Alors, c'est la raison pour laquelle la colonne de feu, durant les âges, change de couleur. Il était couleur ambrée, il est devenu vert jaunâtre, il est devenu rouge verdâtre, il est devenu ceci, il fait ainsi. Et ce que nous appelons rouge bleu, on a compris ça dans la physique, que ce n'est que des vibrations. Amen. Parce qu'on nous a montré que l'espèce de lumière a 7. Le rouge est l'espèce de lumière le plus long. Par exemple, les ondes de radio passent dans le rouge. Mais la vibration la plus forte, c'est ce que nous appelons le violet. C'est pour ça qu'on n'est pas le ultraviolet. Ou ainsi de suite. Donc c'est le violet qui est plus rapide. C'est la même vibration, mais qui devient plus rapide. Lorsqu'il devient plus rapide, nos yeux ont une illusion que c'est le violet. Mais dans le violet, vous ne pouvez pas avoir le violet sans avoir le rouge. Dites amen. Amen. Donc, tout est une vibration. Tout, c'est la même chose. Donc, tout est Dieu. Mais ce n'est pas qu'il a changé dans lesquels il y a deux ou trois dieux, comme les gens essaient de nous faire croire. Non, le Logos qui est sorti de l'éternité, lui, il a pris ces 7 esprits, qui n'étaient que de 7 manifestations. Et ces 7 manifestations, qui sont les 7 couleurs d'arc-en-ciel, n'étaient que la lumière. Et cette lumière était esprit, dans le domaine de l'esprit de l'énergie. Mais lorsque nous lisons que la lumière soit, il fallait automatiquement que dans Genèse 1, il y ait le Fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'il y ait Elohim. La raison pour laquelle il dit tout a été fait par lui et pour lui. Rien n'a été fait sans lui. Le Logos qui est la lumière. Le Logos qui est la lumière. Mais lorsque Dieu dit que la lumière soit, qu'est-ce qu'il veut dire par lui? Parce que le message du temps du soir, nous tous nous sommes convaincus que c'est la lumière fut. Parce qu'il y eut, il y aura un jour, ni nuit, ni jour. Parce qu'il n'y aura pas de lumière. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Donc cela veut dire la lumière fut. Et lorsque la lumière fut, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un homme. Qui était la manifestation de la lumière. Amen. Il dit, lui, un homme comme Jean, il vint pour rendre témoignage à la lumière. Mais lui-même, il n'était pas la lumière. Il dit, la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et cette lumière était la lumière des hommes qui éclaire tout homme qui est dans les ténèbres. Amen. Et cette lumière, c'est qui? C'est celle dont Simeon a dit, maintenant laisse-moi mourir en paix. Mes yeux ont vu ton salut. Il dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, oh, ce peuple dont Simeon parlait, n'était pas des Juifs. Parce qu'il dit, ce peuple qui reste dans l'ombre, c'était vers le Gaza, vers le sud, vers l'Égypte. Et le soleil, le vent ne peut pas l'éclairer parce qu'il y a des montagnes. Or, si la lumière doit l'éclairer, doit être la lumière qui se couche dans l'océan. Parce qu'ils étaient à l'ouest. C'est cette lumière qui est grande. Donc déjà, lorsqu'il a pris Jésus, Simeon parlait plutôt d'un autre jour. La lumière qu'il avait vue n'était pas la lumière Jésus de Nazareth. Amen. Et était la lumière colonne de feu dans la chair humaine. Amen.
Alors, il dit ce peuple qui est assis à l'ombre de la mort. Vous comprenez? C'est la gloire. Cet peuple-là qui est assis et verra la grande lumière. La grande lumière brillante qui devait briller, cette lumière-là est la gloire que Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre, n'en avait pas. C'est pour ça qu'il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir, avant le commencement. Quelle était cette gloire que le Fils avant le commencement? C'est qu'il était le Père. Amen. Avant que Simeon ne commence, il était moi. Et toi que moi, c'est qu'il était plus grand. Et moi, j'étais dans les rêves de mon Père. Et mon Père était dans les rêves de mon grand-père. Donc, lorsque mon Père était dans les rêves de mon grand-père, moi, j'étais mon grand-père. C'est la raison pour laquelle ce qu'il a fait a effet sur moi. Il dit, l'iniquité des pères tombera sur les enfants. Mais je parle ici de que la lumière soit, que ceci soit, que cela soit. Parce que l'Église doit parvenir à un jour à parler. Ah. Mais vous devez connaître le mécanisme. Qu'est-ce qui a fait de lui créateur? C'est son intelligence. La créateur, c'est son intelligence qui peut régler les suites des logiques des lois. Tel que je suis ici, je peux vous créer le feu à partir de rien, là où il n'y a pas de feu. Même ici, tout est mouillé ici. Je peux créer le feu. Pourquoi? Parce que je sais que deux corps, si on les frotte, même deux bois, amen, amen. On les frotte, ce frottement, si c'est trop fort, alors ces deux ions se frottant font maintenant augmentation de chaleur. Lorsqu'il y a augmentation de chaleur, qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, la chaleur augmente. Dites amen. Et lorsqu'il y a la chaleur, il y a le combustible et il y a l'oxygène. Qu'est-ce que ça donne? C'est le feu. C'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes dans tout ce qui est ici, nous sommes dans le feu. Parce que nous avons tous les trois. Mais lorsqu'il y a association de servissoirs, nous avons le feu. Vous prenez des pierres, même si c'est glacé, vous les frottez, vous allez voir des intercepts va faire. Parce que les ions vont se rencontrer et vont virer et cela va faire un dégagement d'énergie. Parce que c'est des collusions. Et cela va nous donner le feu. Pourquoi on craint le feu? On fait les armes à feu? Parce qu'on connaît la loi naturelle de Dieu qui contrôle ces choses. Et nous ne faisons que manipuler ça. C'est pour cela que ce qui fait de Dieu tout puissant, c'est son savoir. Ce qui fait de lui omniprésent, c'est son savoir. Ce qui fait de lui ceci, c'est son savoir. C'est pour cela que si vous négligez le savoir de Dieu, c'est pour cela être Dieu. Vous avez été fait pour être Dieu. Pour être Dieu, il faut que le savoir de Dieu vienne en vous. Amen. Et que vous puissiez connaître qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est l'ignorance qui nous tue. C'est l'ignorance qui nous tue. C'est pour cela que nous devons être open à Dieu pour qu'il puisse nous remplir. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Et c'est de cette manière que tout peut marcher. Amen. Amen. Ce n'est que de cette manière les choses peuvent marcher. En dehors de ça, ça ne marchera pas. Parce que vous devez, le message que nous avons, fait de vous tout ce que Dieu a fait. Tout ce qu'il était, vous l'êtes. C'est ça la position qu'on appelle épouse. Épouse signifie que tu n'es plus ce que tu étais, tu as perdu ta nature, c'est-à-dire ton nom. Tu as perdu ta famille, tu as perdu tout. Tu es rentré maintenant dans d'autres choses dans lesquelles tu ne méritais pas. Par la voie du mariage, tu es ça. Mon épouse porte mon nom. Le nom qu'elle porte lui donne le droit de tout ce que j'ai. Et par cette union de communauté de biens, tout ce que j'ai l'appartient. Et personne au monde ne peut lui arracher ses droits. Mes enfants en naissant dans ma maison, ça leur appartient. Il n'y a pas moyen de discuter ça autrement.
Dites Amen. Voyez-vous, oh, qu'est-ce qui appartient? C'est tout ce que Jésus a transmis là-bas. Donc eux, ils ont les mêmes droits que moi. Ma nature est le leur. Ma puissance est le leur. Les histoires en même temps. Nous sommes plus loin parce que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance. C'est-à-dire le caractère et la puissance de Dieu est ce que nous sommes. D'ailleurs, Dieu n'a pas de puissance. C'est nous qui sommes sa puissance. Parce que sa puissance, c'est son image et sa ressemblance. Alors, donc nous sommes cette lumière qui lui dit que la lumière soit. C'est avec elle qui a appelé toutes choses. C'est celle-là qui est le Père. C'est pour cela que si Jésus était sur la terre, il ne connaissait pas tout. Il dit le Père connaît. Le Père dont il appelait, c'était une position. C'est la colonne de feu qui était dans son cœur. Et cette colonne de feu qui était une partie de lui, ou qui était lui, c'est vous. Et vous devez connaître quelle position vous aviez pour ne pas voir vous-même avec vos propres yeux. Parce que votre perception ne peut pas voir Dieu. Dis Amen. C'est pour cela que tu te vois pécheur. Parce que tu as commis du mal. Et tu fouilles. Et tu caches. Et que tu mens. Mais si tu savais que tu es Dieu, tu ne reconnaîtrais pas simplement la tribu de pécheur, tu reconnaîtrais aussi la tribu de Dieu. Et cette tribu de Dieu, lorsque vous le reconnaissez, elle domine la tribu de pécheur. Dites Amen. Amen. Et nous serons dans l'abondance. Nous n'appellerons pas les choses à l'existence, mais les choses à l'existence viendront parce qu'il existe pour nous et par nous. Amen. Et si on connaît le mystère de que ceci soit, nous saurons prononcer cette parole dont Frère Branham a dit. Nous ne prononcerons pas nos actes. Nous ne prononcerons pas nos solutions. Pourquoi? Parce que nous penserons d'une certaine manière. Nous, cette manière de penser fera que nous agissons de la manière dont nous pensons. Amen. Et ces actes vont activer la loi de cause et effet. Et certains effets suivant la logique de tout ça. Dites Amen. Amen. C'est de cette manière que Dieu est miséricorde, qui puisse nous aider à comprendre cette chose. Que tout ce qui est appelé le monde à l'existence, c'est le logos, est en vous. Parce qu'il n'y a rien dans ce frère madame, cette puissance, cette énergie, il n'y a pas autre chose sinon la lumière. Mais la lumière, c'est quoi? Frère madame a dit, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, il dit Dieu était en train de mettre l'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est mettre tout objet sur une certaine contrainte qui suit une certaine logique. Dites Amen. Amen. Donc, le mettre sous des lois. Voilà la lumière des hommes. C'est cela qui est au sommet de la pyramide. Yes, sir. C'est cela qui fait de vous une ville située sur la montagne. Amen. C'est cela qui éclaire tout homme qui est dans les ténèbres. Amen. C'est cela qui fait de Dieu, petit enfant, Dieu des lumières. Amen. Il dit, il était en train de mettre l'ordre. Il dit, lui, toi tu t'arrêterais ici pour surveiller, mais lorsque je t'ai créé, la loi de la vie a fait que tu sois en abondance et tu as tout rempli. Mais je vais mettre les restrictions. Comme toi, tu as tout débordé, donc tu es trop libre. Il faut que je limite ta liberté. Il a imposé la liberté morale de l'homme de s'arrêter là. Et il dit, lune, toi tu fais ici, s'il vient ici, tu sais que tu vas le frapper. C'est pour ça que c'est la lune s'éloigne un peu de la terre, alors les hommes prennent un peu de l'espace. Dès que la lune vient, il rentre en ordre. Dites Amen. Amen. Mais il vient là-haut, il dit non, on ne va pas aller. Il freine là-haut. Donc, parce qu'il sait que le patron est là. Mais lorsqu'il fait un, il peut déborder. Donc, ce qui fait que si Dieu veut inonder la terre, il poussera simplement la lune et un peu les eaux reviennent. Donc, c'est la limitation de la liberté. Le grain, lorsqu'il est tombé en terre du gazon, devait prendre toute la planète. Parce que la loi de la vie fait qu'il soit en abandon. Mais Dieu dit, tu t'arrêteras ici pour que
Le Kambala aussi pousse, pousser. Lorsque le Kambala a poussé, il est trop grand. Les autres qui devaient pousser ne pouvaient pas parce qu'ils n'ont pas de lumière. Dieu a voulu qu'il y ait des Kambala ici, mais de l'autre côté, il y a plutôt les Limba. Et pourquoi? Parce que cette diversité est régie par une grande intelligence. Et au-dessus de tout, comme il est régi aujourd'hui, lorsque Dieu dit que je te place au-dessus de tous les éléments de la vie, cela veut dire, frère Madame, dit, cette règne d'Adam était une juridiction. Donc une constitution déjà votée, tu ne fais qu'exécuter la constitution. Dites amen. Amen. Et voilà que la lumière soit. C'est pas que je veux venir ici, Seigneur, quel écureuil soit. Ça, c'est ton problème. Il y a un processus dans lequel tu dois remplir. Tu dois faire. C'est pas que le feu soit là. Non. Il faut amener la chaleur, il faut amener le combustible et amener l'oxygène. Là, vous aurez le feu. Même Dieu au ciel, pour devenir feu, il doit réunir ces choses. Voyez-vous, à moins qu'il utilise le feu divin, donc cela veut dire que ce qu'on appelle surnaturel, qui est au-dessus et aux lois de la nature, c'est ça qu'on appelle surnaturel. C'est des choses qui sont au-dessus du loi de la nature. Donc selon les logiques de la nature, ça ne peut pas se faire. Mais comme c'est lui qui a engendré, c'est lui qui fait les contraintes. C'est de cette manière-là que nous devons comprendre le message. Nous devons savoir. C'est pour ça que Jésus a dit, je vais vous montrer comment prier, comment faire, comment ceci. Et Dieu nous envoyait le septième ange. Il avait dit que lorsque je suis ici, les gens ne comprendront. Ils ne comprendront pas même à présent. Il faut que je m'en aille. Après moi, quelque chose va arriver. Dieu suscitera les jeunes gens qui amènera la chose au loin. Amen. Il dit, les gens qui sont avec moi ne comprennent pas. Ils ne vont pas comprendre ça. Il dit, la libérer moi-même les vrais serviteurs de Dieu. Donc les gens honnêtes avec le baptême du Saint-Esprit qui ne comprendront pas. Donc je crois que le prophète est parti. Nous sommes au temps de la compréhension. Nous sommes au temps des jeunes gens dont il parlait. Nous sommes au temps où nous commençons à approcher. Et depuis ces années-ci, on commence à voir des choses d'une certaine manière. Qui commencent déjà à influencer notre pensée, des pensées d'une certaine manière. Dites amen. Amen. Je crois que c'est la prophétie que nous sommes en train d'accomplir. Dieu est en train de faire ici. Donc il y a d'autres choses qu'on survolait. Oh, la dynamique. Mais qu'est-ce que la dynamique? Oh, le mécanisme, la dynamique vient de... Mais qu'est-ce qu'on appelle dynamique? Quelle est dynamique? Le mot dynamique est un concept scientifique qui détermine. Il y a une dynamique qui vient comme cela. Ça est vrai. Nous connaissons la loi de la dynamique. Pour moi, ça marche. C'est une logique des lois qui se rassemble, qui fabrique ce qu'on appelle la dynamique. Et la dynamique naturelle est un schéma pour nous donner une idée de ce qui est la dynamique de ceci. C'est comme il dit, l'électricité est un type pour nous montrer quelle est la vraie électricité, qui est la vraie énergie qui doit circuler en nous. Savez-vous qu'une manière de penser peut changer même tout le cours de votre vie? Amen. Une certaine manière de penser peut détruire, parce que les pensées que vous émettez sont magnétiques. Parce qu'ils obéissent à une certaine logique. Et tantôt, nous ne connaissons pas. On était dans l'ignorance. Notre procédure, on s'approche en fait. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, que la lumière soit, Frère Madame dit, il éclaire. Éclairer signifie vous rendre plus intelligent. Éclairer ici, c'est vous faire connaître quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous illuminer. Lorsqu'il dit les illuminer, donc vous rendre plus intelligent, vous amener à une certaine compréhension, à une certaine conscience plus élevée que ce que vous aviez. C'est comme maintenant vous croyez que lorsque nous sommes à Genève, ici nous sommes dans le bas du sud, nous sommes opposés à ceux qui sont en Angleterre. Mais ça, nous ne connaissons pas notre cœur. Donc c'est une conscience élevée. Ici, il n'y aura pas de débat. Parce qu'on nous a éduqués de manière à mener notre conscience sur ce niveau. Mais cela fait que nous sommes capables d'aller dans la lune.
Sans ce savoir là, on ne pouvait pas aller dans la lune. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est que les gens ont compris les lois dynamiques, les thermodynamiques ou quoi que ce soit, et ils ont utilisé pour aller à la lune. En utilisant donc les lois qui sont des probabilités de ceci pour faire des calculs. En utilisant donc, et ils sont arrivés. Qui leur a donné la précision? Ils ont fait des exploits dans lesquels leur père n'avait pas, parce qu'ils ont eu un savoir qui leur a donné un pouvoir plus élevé. Dites amen. Amen. C'est ce qu'ils appellent par découverte. Les mêmes hommes, vous pouvez quitter ici, vous allez à Brazzaville en 3 heures. Avec Concorde, vous allez faire 30 minutes. Simplement ici, avec un fusée, vous ferez seulement 5 minutes. Mais cela est possible, donc ça t'a donné, alors que notre grand-père devait voyager à pied. C'est un voyage de 3 ans pour arriver à Brazzaville. Mais nous le faisons maintenant quelques minutes. Nous sommes constitués comme lui. Comme on dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il détenait quelque chose par la foi, alléluia. Amen. Et c'est un moyen de voir dans l'autre. Galilée avait les proofs que les planètes tournent autour du soleil. Le pape n'en avait pas. Et ce qui faisait de Galilée plus loin. Voyez-vous? Donc il a utilisé ses lois. Mais Galilée a vu pourquoi. Mais Copernic, 200 ans avant lui, avait déjà fait par les lois de la mathématique et tout, il avait déjà trouvé ça. Donc, vous rendez compte? Donc, ce n'est pas que c'était ailleurs, c'était ici, mais c'est le savoir qui manquait. Aujourd'hui, si l'homme est devenu plus puissant, il peut maîtriser même un orage, il peut programmer le climat, il peut faire tout, c'est parce qu'il a compris le savoir. Et de même aussi, si Frère Branham a dépassé tous les prophètes de la Bible, parce que Frère Branham avait plus de savoir que les prophètes de la Bible. Dieu s'est révélé à lui en plénitude. C'est ce qui faisait sa grandeur. Parce que c'est l'omniscience de Dieu qui fait de lui omnipotent. Amen. C'est pour cela que ne négligez pas le savoir. Et le savoir dont je parle ici, c'est le savoir des détails. C'est pas le grand plan. Amen. Le grand plan te dira la dynamique qui viendra. Mais tu ne connais pas qu'est-ce qu'est dynamique. L'électricité, la puissance, l'énergie de Dieu. Enfin, tu ne connais pas qu'est-ce qu'on appelle par puissance. Tu vas dire le power. Quelqu'un croirait que le power, c'est ce sentiment. C'est ce sentiment. Dieu, power. Et donc, il est là dans autre chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu pense. Alléluia. Amen. Mais nous avons dépassé l'âge de l'œil. Nous sommes dans l'âge de l'intelligence. Et Frère Madame dit, après les yeux vient l'intelligence. Et Amen. Les yeux, c'est les prophètes. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'âge de l'intelligence. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas se chauffer à faire les pubs. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur. Amen. Et il est allé s'asseoir. Et le Frère Madame dit, s'il y a quelque chose qui était avec Jésus, il ne se troublait pas. Et Billy Paul dit, s'il y a quelque chose de grand qu'il a vu dans son père, William Branham, c'est que William Branham ne se troublait pas devant la situation. Mais moi, je vais me troubler. Parce que moi, je voulais la raison pour laquelle William Branham ne se troublait pas. Parce qu'il avait un moyen de connaître ce que l'avenir va dire. Mais moi, comme je n'en ai pas, je suis en train de présumer. Et qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? Et il se fait le tout. Je ne connais pas. Mais si Dieu veut me donner un savoir ou un moyen de connaître ce que c'est, on devrait le connaître. Parce que le futur n'est pas caché. Parce que le futur est dans le présent. La manière dont le présent se fonctionne, cela détermine le futur. Et c'est pour cela que Jésus nous a dit que vous savez lire les signes du ciel, en sachant que demain il pleuvra et demain il prévoit. Mais vous ne pouvez pas lire la face qui est dans le ciel, les signes du temps, pour prédire aussi le temps. Il a déproché les gens de son temps. Il dit, vous hypocrites, parce qu'il savait que le temps futur était dans le temps présent. La manière dont je me comporte ici, cela déterminera tous les événements qui vont arriver là-bas. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Dites amen. Amen. Et c'est de cette manière que nous devons, comme nous ne connaissons pas, notre cerveau est petit. La seule manière, c'est de se comporter. Dis Seigneur, hein, si la meilleure prière que vous pouvez faire, mes bien-aimés, c'est mes frères, c'est de dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Si tu veux me mettre dans une bouteille et que cela te plaira que je passe dans une bouteille, peut-être ça va enlever, je sais que c'est pour mon bien. Peut-être ça va enlever, peut-être il y avait quelque chose là. Et si tu vois que tu vas me presser,
pour que l'épine qui est là s'enlève. Bon, Seigneur, ne faites rien, abandonnez-vous à ses pieds. Dit Seigneur, Dieu veut que on dit, oh Dieu vient au dernier moment. Non, c'est qu'au dernier moment, nous, les forces nous ont quittés. C'est ce voile qu'on a vu. Lorsqu'on a pris des forces, on est vide. Alors la loi de l'électricité fait que la puissance pure vient occuper. Dites Amen. Amen. Non! Faites confiance à Dieu. Confiez-vous à ses prophètes. Quand il n'y a plus de temps, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avec nos têtes inclinées. Celui qui a imposé une loi dans laquelle nous exécutons. Et il est roi de notre cœur. C'est-à-dire que chaque décision qui vient du cœur doit d'abord être soumise à lui. Et ça doit être lui qui prend cette décision. Tu souffres sur la croix. Parce que beaucoup des exemples et des signes que tu as laissés sur la terre Amen. Qui nous prouvent que ce que tu dis est vrai. Amen. Et que cela obéit à une logique qui est au-delà de nous, Seigneur. Amen. C'est pour cela, Père, en étant dans cette situation, nous nous remettons simplement à toi. Amen. La foi, c'est toi qui toi. La guérison vient de toi. Amen.
Toute chose vient de toi, Seigneur. La guérison de nos âmes, de notre corps, de notre esprit, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as porté l'attribut de guérisseur avant qu'il y ait maladie. C'est toi qui as fait tout cela. Et lorsque tu as permis qu'il y ait maladie, c'est pour manifester ta gloire, Seigneur. C'est pour ça que nous nous donnons à toi, en sachant que tout ce que tu poursuis, c'est pour notre bien. Que ta volonté soit faite. Nous te dédions toutes choses. Nous nous remettons à toi, Seigneur, pour que tu puisses faire de nous, comme nous l'avons dit au début ici, tu puisses faire de nous et nous donner la forme dont tu veux. Et que ta volonté s'exécute dans notre vie. Même l'incrédulité ne peut pas t'arrêter, Seigneur. Amen. Tu peux l'ôter, Seigneur, car tu es l'agneau de Dieu qui ôte l'incrédulité. Ou exerce ton attribut d'agneau, afin que le libre but n'ait pas de poids sur nous. Mais plutôt ta volonté puisse se manifester en manière de vivre. Parce que toutes les fois que nos sens nous perçoivent, nous sommes persuadés que notre manière de voir est bonne, notre façon de faire est bonne. Mais lorsque nous arrivons, nous nous rendons compte que quelque part, ça n'a pas marché. Oh Dieu, pardonne-nous notre ignorance. C'est pour ça que nous nous remettons à toi. Parce que c'est toi la grande intelligence qui peut descendre en nous pour que nous puissions réussir. C'est pour ça que nous nous confions à tes prophètes pour réussir. Pour ceux qui n'ont pas pu exprimer, bénis les dîmes et les offrandes et accompagne tes enfants. Donne-nous encore un temps comme celui-ci. Que nous puissions encore s'approcher de toi dans le parfait nom du Seigneur.